J'ai un travail à vous confier, Rose. Tu me dis tellement de choses dans tes silences. Ah, oh, c'est énorme. Je sais pas si tu réalises combien c'est énorme. Non, vraiment. Il faut que tu réfléchisses à tout ça, tu sais. Et moi, je crois qu'un petit week-end tous les deux, ça permettrait de prendre du recul. Bon, c'est bien. Fume-moi quelque chose pour ton visage, là. Tu ressembles à rien. Bah, elle est drôle, non? Putain, mais c'est toujours pareil avec toi, Daphné. Tu débarques comme ça, tu te poses même pas la question, tu demandes pas si je suis avec quelqu'un, si je suis heureux. Parce que t'as quelqu'un? Mais putain, c'est pas le problème. J'en ai marre de tes sautes d'humeur, j'en ai marre de tes caprices, j'en ai marre de... Putain, je suis pas un chien qu'on tient en laisse, merde. Qu'est-ce qui se passe ici? Lâchez-le! Il m'a frappé! Je veux voir un médecin! Vous prenez pour qui, lieutenant? Vous croyez que je vais risquer une émeute à mon établissement pour une simple garde à vue? Qu'est-ce qu'il a fait, cette grosse merde, là? Je sais pas, je m'en fous. Vous entendez? Il va y avoir une émeute ici. Vous l'emportez la responsabilité? Allez, on se casse. Vas-y, lève-toi. C'est bon. Allez, on se casse. Martin, vous verrez accompagné. Je trouvais ça formidable, hein? Vraiment. Comme le pensait le King, ne remettez jamais au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Merci de rester fidèle à Radio Elvis. Et surtout, n'oubliez pas, après le repas, buvez Chocodril pour une digestion digne de ce nom. C'est bien les musiciens, ça, hein? Toujours la tête dans le cosmos, dans l'utopie. Mais oui, je crois. Donnez-moi quelques instants, je vais vérifier sur mon registre. Je vous en prie. Je crois que c'est ça. Alors, Monsieur Ronconi... Oui, c'est ça. C'est un 52, effectivement, oui. C'était une surprise. La dame ne pouvait pas l'essayer. Il a bien fait graver un petit mot à l'intérieur. Oui, tout à fait. Je vois que votre beau-frère ne vous cache rien. Mais vous voyez très bien, monsieur. Et toi, Anne, tu étais où le 23 août? En Corse aussi, chez Karine. Ah bon? Mais c'est intéressant, ça. Donc ce que tu es en train de nous expliquer, si j'ai bien compris, c'est que tu pars en vacances chez ta copine Karine, elle disparaît, et toi ça te pose aucun problème, c'est ça? Mademoiselle, excusez-moi, je vous ai vu sortir du restaurant, je vous ai vu et je n'ai pas pu m'empêcher de me dire quelle beauté intérieure, quelle grâce, quel style, quel joli sac d'ailleurs.